Africains qui arrivons de loin. Nous venons de nos pays pour sauver la patrie. Le chant des Africains, 75 ans après. Et nous gardons au cœur une âme insubmergée, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Comme le veut la tradition, les commémorations du débarquement de Provence dans le sud de la France mettent l'accent sur le rôle des soldats des colonies. 15 août 1944, début de l'opération Dragon. 260 000 combattants forment la plus grande armée de Français impliqués dans la libération. 70% d'entre eux viennent d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Ce jeudi, le président français Emmanuel Macron a été accompagné de ses homologues guinéens et ivoiriens, ainsi que de Nicolas Sarkozy, le seul ancien chef d'État français à avoir accepté l'invitation. Tous se sont joints au parterre de vétérans présents à la nécropole de Boulouris pour redonner à ces soldats la place qui est la leur dans la mémoire collective. La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Les noms, les visages, les vies de ces héros d'Afrique doivent faire partie de nos vies de citoyens libres. Emmanuel Macron a lancé un appel aux maires de France pour nommer les rues, les avenues, les places en hommage à ces héros oubliés. 320 soldats alliés sont morts ce jour d'août 1944.